rase le monde depuis ma terrasse. Je vivais la vraie vie, chaque chose était à sa place. Quand un jouet mi-astronaute a débarqué de nulle part, et soudain tout à coup, tout est devenu bizarre. J'avais des amis, des tas d'amis, soudain évanouis. Alors, pour sauver la face, je souris dans la glace. J'avais le pouvoir, on me respectait, mais j'ai perdu désormais l'amour de celle que j'adorais. Faut dire que tout ça est bien étrange, impossible à prévoir. Étrange, bizarre. Étrange, étrange, bazar, bizarre. Est-ce tout bizarre comme c'est bizarre? Y'a ce mec que tu crois connaître et qui devient un étranger. Si tu recules d'un mètre ou si tu te retournes, t'es piégé. Les gens rient et tu crois que t'as raison, mais fais attention. Tu finiras seul à table, oublié ou échoué sur le sable. Étrange, impossible à prévoir. Étrange, bizarre. Étrange, étrange, bazar, bizarre. Et je dis bizarre comme c'est bizarre. Étrange, impossible à prévoir. Étrange, bizarre. Étrange, étrange, bazar, bizarre. Et je dis bizarre comme c'est bizarre. Étrange, impossible à prévoir. Étrange, bizarre. Salut les amis, c'est Jap, un très bon dimanche à vous. J'espère que vous avez tous été votés pour un monde meilleur. Donc pour moi. Voilà, je me suis dit aujourd'hui c'est la loose, tout le monde va faire la gueule, tout le monde va se prendre la tête. Parce que ben oui, c'est les élections, donc ça va être le bordel forcément. Il y en a qui vont être contents, il y en a qui vont pas être contents. Je pense qu'il y en aura plus de pas contents que de contents. Je me suis dit je vais faire une super reprise. Non, en fait je me suis pas dit ça du tout. Il y a une chanson que j'ai toujours kiffé quand j'étais gamin et que je regardais un dessin que ma mère me mettait en boucle et que j'ai apprécié hein. Vraiment. C'est Toy Story. C'est la chanson dans laquelle Woody dit que ben il a plus d'amis, qu'il y a plus personne qui l'écoute, que le pauvre il se passe plus rien. Et du coup c'est une chanson que j'ai pas kiffé tout de suite quand j'ai connu le dessin, mais que j'aimais parce que j'ai compris le sens de cette chanson quand j'étais au lycée. J'ai vécu certaines choses, je me suis retrouvé dans la même situation que Woody. Et du coup c'est une chanson qui m'a un peu permis de me dire allez vous faire foutre. Donc du coup voilà cette chanson, bah, vous venez de l'écouter, c'est Étrange Bazar, une chanson chantée par Randy Newman, chantée et écrite spécialement pour ce dessin par Randy Newman. Donc petite histoire, je pense que c'est une rubrique que je vais mettre à chaque Disney maintenant pour vous dire des trucs que vous savez ou que vous ne savez peut-être pas. On va commencer tout de suite par les paroles de la chanson. Est-ce que vous aussi, depuis toujours, vous entendez... Attends, c'est comment ? Quand un jour un zombie astronaute a débarqué de nulle part, au lieu de... Et moi aussi je viens de le découvrir du coup. Jouer mi-astronaute à débarquer de nulle part. J'ai toujours cru qu'on parlait de zombies astronautes et c'est vrai que maintenant
Enfin, ça gardait son sens parce que bah, le mec il sort d'on ne sait pas où. Il est tout blanc. Non, je sais pas, c'est vrai qu'il ressemble pas aux autres jouets que Andy a déjà. Donc pour Woody, enfin, zombie astronaute, ça me paraissait logique. Et là, je regarde les paroles pour chanter cette musique, pour chanter cette chanson, et je vois que c'est marqué quand un jouet mi-astronaute, quand un jour un jouet mi-astronaute a débarqué nulle part. Non, c'est même pas un jour, c'est quand un jouet mi-astronaute. Et je suis sûr que plein de personnes ont compris quand un jour un zombie astronaute. C'est un truc de dingue. Et il y a plein de chansons où c'est comme ça, où les paroles, on les comprend pas, qu'on se fait des paroles nous, et puis qu'après, bam, tout qui part en couille, je comprends plus rien, qu'est-ce qui se passe? Bref, donc pour la petite histoire, Toy Story est le premier Walt Disney à avoir été totalement créé par ordinateur. Il est sorti en 1995 et il a été l'un des plus grands succès de Disney après, je crois, Le Roi Lion et Aladdin. Voilà, du coup je me suis dit tiens je vais chercher une instrumentale l'instrumentale de cette chanson, impossible de le trouver. Et puis comme d'habitude, franchement je vous le dis, si vous cherchez une chanson, vous cherchez un cover sur YouTube mais que vous le trouvez pas, qu'il est pas à l'achat sur internet, parce que la plupart de mes covers je les achète sur internet, mais niveau Disney, les sites que j'utilise, c'est vraiment n'importe quoi, ils en ont trop peu. Chercher la chanson mais sous son titre original en anglais. Donc là je me suis dit mais pourquoi j'essaie pas en anglais, j'ai écrit Strange Things instrumental, bam, j'en ai eu plein. Donc c'était nickel, surtout qu'ils font ça avec plein de versions. Et du coup j'ai calé que, mais ma mère me l'avait déjà dit la dernière fois, que la reprise que j'ai fait de Je suis ton ami est plutôt lente par rapport à l'original. Et je me suis dit mince, mais qu'est-ce que c'est ça? Et c'est vrai maman, tu as raison, parce que j'ai trouvé l'original que je n'avais jamais trouvé jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus rythmique, c'est beaucoup plus rapide que ce que j'ai fait. Donc bah, du coup bah, je vais pas la reprendre maintenant, mais j'attendrai, je la reprendrai un de ces quatre sous une nouvelle version du coup. Voilà, sur ce bah, je vous dis à tout à l'heure pour mon prochain cover. Je vous le cache pas, c'est La Belle et la Bête. Et puis plein de bisous d'ici là, passez une bonne journée. Essayez de rester calme. Franchement les gens, vous savez quoi? Si le président pour le... Enfin, si le président qui sort n'est pas le président pour lequel vous avez voté, qu'il y a quelque chose qui vous dérange, chantez un Disney. Oubliez ce monde de merde, chantez une chanson Disney. Genre la Titiane. Partir là-bas.